Franklin savait pisser dans son bus scolaire et dans sa chambre. Il savait même pisser dans ses chaussures. Cet été-là, son père lui offrit un petit jajarage. Franklin nique des pommes de terre, des carottes et des tourtes aux œufs de mouche. Mais Franklin nique même sa mère et son père deux par deux. Franklin, t'es con. Il aimait manger des caca et ses chaussures. Mais il savait qu'il ne les aimerait pas. Franklin savait compter des carottes et des pommes de terre. Il aimait manger de sa merde. Franklin savait manger. Franklin suce son père. Franklin savait compter deux par deux. Il aimait manger des mouches. En fait, j'ai tout le temps faim. Manger le voilier de Franklin. Il pouvait faire semblant de conduire ses chaussures et éteindre des feux avec sa pomme de terre, le col. Mais un jour, Franklin se demanda si son père était assez puissant pour manger des pommes de terre. Franklin nique l'école. Mais ta mère, Franklin! Tu peux me passer les pommes de terre, s'il te plaît, fils de ma vite. C'est délicieux. T'as une bonne vite. Et en plus, c'est rempli de bonnes vitamines. Allez, saucisse. Tu sais, c'est souvent très agréable de sucer. Je veux bien. Tu ne veux pas une plus grande vite? Je veux bien. Ma maman va m'apprendre à faire un soufflet. Des artichauts? Un soufflet? Des artichauts? Un soufflet? Des artichauts? Un soufflet? Des artichauts aux chichauts? Qui peut se régaler avec un tas de caca? J'adore les caca. Et tu l'as déjà dit, fils de cactin. La prochaine fois que tu prends un raccourci, moi je prends la chatte Lily. Oui, c'est vrai, elle est très bonne. Déjà. La salade plutôt. Nickel, vous bien sur le terrain de jeu. Je pisse dans ton panier. Martin et moi, on a violé Héloïse très très vite. Le temps qu'on lève Héloïse, tout le monde était passé devant nous et voilà, on a perdu. Est-ce qu'il y a des épinards là? Oh mon chéri, tu ne les goûteras pratiquement pas. Il y a là. Oh, je ne m'attendais pas à ce que mon didi soit aussi moche. Et il faut que ma saucisse grandisse. Ça vénère! Quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. D'accord. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais des plis. Oh, ça vénère, oui, ça vénère. T'as raison, mais une fois de plus, c'est pas ce que je voulais dire.